Bienvenue à Concarneau, bienvenue à bord du petit train. Nous vous invitons à conserver votre ticket. Il vous donne accès au petit train de Quimper et au petit train de Bénodet au tarif préférentiel de 4,50€. Au cours de cette promenade, nous souhaitons vous faire mieux connaître le passé et le présent de cette ville entièrement tournée vers la mer. Auprès de nous, les remparts, les entourent la vieille ville appelée Ville Close. C'est un îlot d'environ 350 mètres de long sur 100 mètres de large. L'une des rares villes fortifiées de France, entièrement entourée par la mer. Place de guerre importante, elle fut au long des siècles l'enjeu de guerre entre Bretons et Français, Françaises et Anglais, Protestants et Catholiques. Ces fortifications du XVe siècle furent souvent remaniées. Seul le beffroi de l'horloge ne date que du début du XXe siècle.
l'ancien quartier des conserveries de poissons, aujourd'hui remplacé par des immeubles d'habitation. La plus grande partie des usines était regroupée dans cette partie de la ville appelée La Croix, du nom du vieux calvaire qui s'y trouve. Au début du siècle précédent, Concarneau comptait 33 usines de conserve, employant plusieurs milliers d'ouvrières. Une seule sardinerie moderne continue à fabriquer d'excellentes sardines, la conserverie Gonidec, sous la marque Les Mouettes d'Arvor. Des Glénans est unanimement reconnu dans le milieu de la voile. En effet, il y a plus de 70 ans, une école de voile, pas comme les autres, voyait le jour sous l'initiative d'anciens résistants, animés par un même idéal. Créer des liens, par la mer, entre les hommes et les femmes de tous les pays et de toutes les cultures. Être un lieu de formation à la mer, à la voile et à la vie collective. L'école des Glénans, reconnue par l'État d'utilité publique, forme aujourd'hui plus de 12 000 stagiaires par an dans ces 5 centres nautiques situés en France et à l'étranger. De l'autre côté de la baie, à droite, la pointe de Bethel, station balnéaire réputée avec son sémaphore dominant l'extrémité. Les bateaux d'excursion assurent journellement la liaison Concarneau-Bethel et Concarneau-Les-Glénans. Une journée aux îles vous apportera un dépaysement complet à seulement quelques milles de la côte. Au long de la corniche, vous pourrez observer le mélange des styles des villas du 27e siècle à nos jours. Sur certaines d'entre elles, vous remarquerez, sur le toit, d'amusants animaux de céramique, tout à fait dans le style 1900. Ouvrez l'œil, il y en a trois. Rendez-vous de dizaines d'artistes du monde entier. À cette époque, la vogue du thème breton en littérature comme en peinture
a fait de la Bretagne une véritable plaque tournante d'une inspiration artistique avide d'exotisme. On peut voir encore beaucoup de leurs œuvres à la galerie Loup, située en face du port de Plaisance. Sable blanc est le rendez-vous des amateurs de planches à voile et des kitesurfers. C'est aussi celle qui a le sable le plus fin. Si vous êtes amateur de marche à pied, vous pourrez continuer au-delà de la plage des sables blancs sur un joli sentier longeant le rivage sauvage qui vous conduira à la charmante petite plage de Kernouz, aussi appelée plage des quatre sardines. Un peu plus loin, vous longerez deux estuaires de rivières marines aux ombrages paisibles. Ces estuaires portent le nom de Ria. Au fond de la baie, vous découvrirez Port-la-Forêt, qu'Olivier de Kersauzon a surnommé la Vallée des Fous. Au lieu de la voile mondiale, François Gavard, Vincent Rioux, Michel Desjouillots, les champions de la course au large, en ont fait leur port d'attache. Vous pourrez, s'ils ne sont pas en mer, y admirer leurs multicoques géants. Thank you.
cette masse rocheuse s'avançant dans la mer est appelée île aux souris. Une légende raconte qu'elle était autrefois hantée par ces animaux, attirée par les odeurs de farine ou moulin à vent, qui se dressaient sur la falaise, à l'emplacement des villas actuelles. Durant son séjour à Concarneau, c'est sur ce rocher que Gustave Flaubert venait chercher l'inspiration.